par là, mon enfant. Il est par là. Ah, il veut prendre les roses. Il veut prendre les roses. Surtout les roses, c'est bien. Depuis quand ça n'a pas pris. Regarde là, cette rose là. Je devrais la prendre, elle est très belle. Tes lunettes, tu les perds. Non, j'ai mis sur mon verre. La preuve, c'est qu'elles sont là. Tiens. Chez mon anard, le sandwich. Le sandwich, le sandwich. Va pas mettre. Ah ben, pousse-toi d'ici, toi. C'est plutôt le guet qui vient en train de se faire. Hé, tu vas me laisser longtemps avec ton sandwich en main. Allez vers lui en lui présentant mon cher ami. Je vous apporte le sandwich du prince. Voilà. Maman a dit d'apporter le sandwich. Oh, regarde comme elle est flatte, elle est toute propre de partir. Qu'est-ce qu'elle a, ma robe? Oh, ben elle a du bleu. Derrière, c'est dégueulasse. Je m'en fous, moi. Bon, je fais garder ta jupe, ça. T'as pas voulu. Tu m'as dit que j'étais dégueulasse. Quand les pique-niquer, hein, c'est rare, c'est pique. De toute façon, là, j'ai blanche. Hein. Fonctionnel. Catherine, je ne sais pas une fois. Je te dis, peut-être pas une fête. Madame Manier, c'est là, c'est dans le dos, c'est pas une guerre. Le seuil. Bon, soyez. Ouais, écoutez, il faut qu'on s'en aille. Il y en a, je sais pas, 50, 60. J'en ai 3 sur les chaussures. Faut pas me piquer ces cons-là. Oh, elle est pas si folle. Tu peux mouiller plus, ça me gêne pas. Hein.
Regarde où elles sont. Comme tu peux, ma fille. Bernard, je suis courageuse, hein. Voilà, ça va. Fais très bien, ma chérie. Attends, je te passe. Moi, j'en ai pas une. Ils viennent pas vers moi. Catherine. Merci. Catherine, c'est elle. Un pognon, s'il vous plaît. Un pognon, s'il vous plaît. Je te demande, tu me dis non. Mais avant, j'avais pas. C'est dingue, les gars. On va plus pouvoir les éviter. Isabelle, vas-y. Tu les as pris. Il doit avoir de l'eau, ça ne me fait pas. Moi je dis que cette propriété n'appartient pas à des gens jeunes. Mon Isabelle. Mais dans le temps, j'aurais bien fait ça, mais là j'ai vraiment peur à mon dos. Oh. Tu vas te casser la figure, Gillette. Mais tu m'as pas bien. Je ne veux pas. Non, je n'aime pas. Attends. C'est là. Je lui après je vais. J'ai pas assez vite. C'est pas mal. Attends. À moi. Je vais te montrer une démonstration. Attends. Ouais. Non, s'il n'y arrive plus. Attends. Ah oui, tu veux faire ça. Je fais les trucs en avance.
pour voir si j'y arrive. Je suis moins bonne qui s'appelle. Attends, une dernière fois. Je vais essayer d'avancer. Mais arrête Isabelle, je te demande d'arrêter. Je vais passer, s'il te plaît. C'est pas gentil, moi je fais la même chose. Regardez le petit beau là, comme il est mignon. Il est magnifique. Mon Dieu, qu'ils sont beaux tous les deux. Adorable. Il va quitter sa mère là, il est vraiment bien. Fais passer un mollet par un jar. À la voir, tu vas voir ce que ça donne. Regarde le petit veau qui va téter. Il allait téter. Net celui-là. Il y en a un tout petit, ça c'est déjà, c'est mauvais hein, quand ça te prend à tes... T'as vu le petit veau juste entre les deux arbres? Juste entre les deux arbres. Oui. Hein. Où est-ce que c'est le voyant ainsi? Le maire m'avait photographié avec Juliette. Enfin, on les nourrissait au biberon, je les mettais au bout du champ, puis je les appelais Bobby, Bobby, tu les aurais vu arriver au triple galop pour c'était. Là, tu vois le cheval et son poulain maintenant? Ah oui. Oui, mais je voulais prendre mes filles avec. Ah ben, elles vont venir, les filles. Approchez d'ici les filles. Je vois les barres là-bas. Thérèse, vous prenez avec. Je prends la barre à la vôme. Vous pouvez les prendre ensemble. Mais oui, mais moi je suis trop petite. Ça fait la barre ici.
Follow a toujours nettement l'avantage sur
First Amendment d'or et un farouche à la corde. Ils sont suivis de Reefer Traffic. Azarix s'est bien rapproché en dehors et vient maintenant en quatrième position dehors. À l'entrée de la ligne droite, Fast Solo se présente en tête, immédiatement attaqué par First Amendment au centre et Axarix en dehors. Wanchet se rapproche également à 350 mètres de l'arrivée. Fast Follow et Limite Engagement et First Amendment sont ensemble devant River Traffic qui continue de se rapprocher en dehors. À 150 mètres de l'arrivée, First Amendment et River Traffic sont seuls ensemble devant Fast Follow. First Amendment et River Traffic toujours en lutte aux abords du poteau. River Traffic prend maintenant le meilleur devant First Amendment alors que le Fast Follow conserve la troisième place devant Marty Dagonet. Le 10, j'ai perdu. J'ai perdu, maman. Le 12, il est arrivé quatrième. Oh, Gillette. Je n'ai pas joué dans cette course. Catherine. J'ai joué le 7 gagnant, il est gagnant. Et le 12, il est quatrième. Sophie. Le 2, je suis 2-2 placé, puis j'ai gagné. Thérèse. Thérèse. Dis à Bernard ce que tu as joué. Thérèse. Un trio. Dis à Bernard ce que tu as joué. Le 11, 7, 5. Tu as gagné. Elle en a deux. Tu réponds, j'en ai deux. Isabelle est où? Elle est derrière toi. Bien, dommage. Hein. 12. J'aime bien. Martine, t'as joué combien? Moi, j'ai joué deux gagnants. Et donc, il est deuxième. Voilà. Voilà. Stéphane? Le 11, placé. Et t'es combien? Hein? Il est arrivé combien? Troisième, ouais. Donc il a gagné. Anne. Je suis deuxième et j'ai joué aussi. Anne. Le 12, le 12, le 12 mais il est quatrième. Le 2, Anne, t'as joué combien? Bah, t'as été plus vite que moi, j'ai joué gagnant. Anne, t'as joué le combien? J'ai joué le 6. Il est arrivé combien? Il aurait mieux valu que ce soit toi qui le monte. Hein. Alors là. Le numéro 4, bon. Il est bien côté, Hirondeau. Alors on n'a plus qu'à recommencer. Moi je joue Bellissima Musica. Oh, c'est sur les noms. Voilà. Oh, moi je joue sur la neige, je vais belle comtesse. Belle italienne, un cavalo italien. Mais vous savez, quand c'était une écurie italienne aussi. Mais ça, mais en fait, c'est l'anglais. Il y a plein de chevaliers irlandais, t'as vu. Je jouais sur les noms, mon voisin, là, je voulais accès au courant des choses. Alors c'était pas plus mal que je faisais, il faut jouer ici, il faut jouer les chevaliers irlandais. Monsieur Bell, vous me disiez, allez, jouez sur le noms. Il y a des milieux en général. C'est vrai qu'ils ont des bonnes écuries. Jouez plus. En France, il y a un champion pour... Comme l'écu, Robert.
Ouais, c'est question. Non, 14 1040 RQ14. Isabelle. Premier, quatrième. Moi, quatre, était deuxième et s'est fait doubler. Vincent Dabour fermait la marche. Je suis très douée. Mais il a participé, vous voyez, il a fermé la marche. Il est fort. Thank you.
regarde. Et le 5 il est en fait. Le 8 est en plus. Oh mon stylo. Je suis bien embêté. Il est pas rentré. J'ai bien leur tour. Tiens. J'ai pas. J'ai pas. Oui, c'est une bonne idée. Va prendre une photo. Voilà, là. Ah oui, mais attends, parce que c'est pas que ça. Je l'ai. On va mettre droit. Un peu là, on dirait qu'il a fait plein de trucs. Allez, oh oui, 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 oh oui,
faire tout ce que tu veux. Je rentre à ta tête, oui. Et tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Thank you.
Thank you.
des érables, un steeplechase pour chevaux de 4 ans sur la distance de 3400 mètres. Katleya va sauter en tête le premier obstacle avec non pas Saran à sa hauteur. Jeanine Bat est en troisième position à la corde. Polyboy se rapproche en dehors avec Ilz Open. Cupid Junior est au sein du peloton avec Bonugno pour l'instant. C'est Cashbrewer qui ferme la marche. Pour passer devant les tribunes, Katleya et Polyboy ensemble pour franchir l'obstacle devant Ilz Open. Benjou qui se rapproche en quatrième position. C'est non pas Saran, Bonugno, Cupid Junior. Jeanine Bat. Ensuite, avec un quartier maison dans son sillage, Princelon est à l'arrière-garde en compagnie de Bouteguet et c'est Cashbrewer qui ferme la marche. Polyboy s'est assuré maintenant seul l'avantage et mène de 4 longueurs sur Katleya, détaché de reste des pelotons emmenés par Ilz Open. L'eau passera dans son sillage, Balju Botugno qui s'est rapproché en dehors en compagnie de Cupid Junior. Et le prince, le quartier maison, vient ensuite avec Touquet. Jeanine Bat est à l'arrière-garde avec Cashbrewer. Toujours Polyboy, librement en tête, de bonnes longueurs d'avance sur Katleya. Ilz Open est en troisième position avec Baljune à sa hauteur. Cupid Junior vient ensuite pour franchir le Brook. Toujours Polyboy en tête, 3 longueurs d'avance sur Katleya. Ilz Open est en troisième position avec Baljune à sa hauteur, Cupid Junior vient ensuite avec Modugno, un quartier maison, Princelon, Touquet, Jeanine Bat, non pas Saran est maintenant l'arrière-garde, Cashbrewer est toujours dernier. Il se dirige maintenant vers le mur en terre sous le commandement de Polyboy qui a 2 bonnes longueurs d'avance sur Katleya. Balju est en troisième position en dehors devant Ilz Open. Modugno vient ensuite avec Cupid Junior, un quartier maison, Princelon, Touquet, Jeanine Bat et toujours à l'arrière-garde de nos Passaran et Cashbrewer. Pour passer le double de L, Polyboy est en tête avec une demi-longueur sur Katleya. Balju en troisième position devant Cupid Junior, Princelon qui s'est légèrement rapproché avec Modugno à sa hauteur. La carte maison vient ensuite avec Ilz Open qui est rétrogradé. Jeanine Bat est toujours à l'arrière-garde. Non pas Saran et Cashbrewer ferme la marche à plusieurs longueurs. Pour aller vers le Belgium, c'est Katleya qui a pris l'avantage et qui mène 2 longueurs sur Polyboy. Bonugno est en troisième position devant Balju. La carte maison s'est légèrement rapprochée à la corde. Et bien maintenant en cinquième position devant Touquet qui met une petite hésitation sur l'obstacle. Ilz Open, Jeanine Bat, Cupid Junior est à l'arrière-garde. Non pas Saran est maintenant attardé en compagnie de Cashbrewer qui vient beaucoup plus loin. Katleya toujours, très librement en tête. 5 longueurs maintenant d'avance pour aborder le dernier tournant sur Polyboy. Cupid Junior s'est bien rapproché en dehors et vient maintenant en troisième position devant Modugno. Un quartier maison est cinquième avec Princelon à sa hauteur. Balju a perdu de nombreux rangs en compagnie de Ilz Open. Jeanine Bat est toujours à l'arrière-garde avec Touquet. À la sortie du dernier tournant, toujours Katleya très détaché de Polyboy. Ilz Open, Cupid Junior est en troisième position devant Modugno. Et un quartier maison qui tente de revenir. Ils vont maintenant franchir l'ultime obstacle. Katleya va se présenter en tête avec une longueur d'avance sur Polyboy qui revient. L'attaquer Modugno est en troisième position devant Cupid Junior. Katleya toujours à la distance, très nettement devant Polyboy qui va l'attaquer maintenant. Katleya et Polyboy ensemble alors que Modugno est en troisième position. Et c'est maintenant Polyboy qui prend seul l'avantage et qui l'emporte une bonne longueur sur Katleya. Modugno est troisième devant Cupid Junior. Isabelle, t'as gagné? Oui. T'as joué lequel? Le 4. Elle est deuxième. Elle est deuxième. Alors première ou deuxième? Deuxième. Arrivée provisoire de la 8e course, premier le numéro 7, Polyboy, deuxième le numéro 4, Katleya, troisième le numéro 3, Modugno.
on va attendre. T'as gagné ? Non, mais une belle journée, on a gagné. On faisait un geste affectueux vis-à-vis de ta femme. T'as joué le combien ? Anne ? Anne, t'as joué le combien ? Le 3. Mais il est pas premier ? Ta soeur, elle a dit que t'étais casse-pied. Ouais, c'est au champ. Mais ça paye pas. Qui est-ce qui paye l'apéro? Ah oui, justement. Pascal, toi qui paye l'apéro? Oh, si vous voulez. Non, t'as gagné? C'est pas un problème. T'as gagné? Beaucoup? Là, je propose un apéro. Et la fondue, dis donc. Troisième. Nous avons tous gagné une belle journée. Et surtout, on a passé bon après-midi. J'ai gagné la première, Isabelle a gagné la dernière. Moi, je n'ai trouvé un. Voilà. J'ai trouvé un gagnant. Là, il était l'essentiel. Et maman pourra pas aller chercher mon vélo ce soir. 24 ans. C'est un moins le quart. C'est à quelle heure je ferme, Bernard, de la maison? Il avait la journée. Lequel? Quel âge, Isabelle? Oui, ça va. Vous avez gagné, vous, Non, j'ai tout perdu. Moi. Madame la comtesse de Bertolomucci. J'aurais pu gagner, mais j'ai perdu. Voilà. Mais ça va, il y a la vie, là, il fait beau. Il fait bien. C'était pas pris en Angleterre.
Tu l'as depuis quand, là, ma... Pas depuis longtemps, c'est étonnant, parce que là, ça fait bien. Pas depuis longtemps? On va se payer ça, alors. À quoi je fais? Mais c'est pas un mot, c'est pour
c'est à nous, mais c'est un défi. Mais attends, c'est à vous. Alors, c'est quoi, et c'est quelle couleur? C'est à toi, alors quelle couleur? C'est rose. Sûr, hein. C'est rose. Rouge. 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 Là où c'est marqué défi. Pas faire un défi. Attends, attends, attends. Allez, défi. Ça y est. Et puis je fais bon coup.
Bah qui crie alors. Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai rien dit. Je t'arrête pas, c'est où ? Oh, mais c'est toi qui joues mieux. Tu veux porter ta croix? Elle a raison, tu vois. Elle a raison.
hier, elle voulait jouer à rugby chez toi, elle a fait jouer le coup. Tu mets dans le sac là-bas parce que... Champion. Thank you.
revoir à l'équipe de Black Hawk qui joue en noir et gris. Pour l'instant, il a été 60 yards pour Ellerton, tapé par Gonzalo Talavera qui passe à droite et gauche. Candidat États-Unis en exercice, numéro 4, Paul Miller en Bretagne en exercice. Pour l'équipe maintenant d'Ellerton, numéro 1, Kim Grande-Bretagne en exercice. Numéro 2, Violet Argentine, handicap 6. Numéro 3, Gonzalo Talavera, c'est handicap 9. En bas, numéro 4, Jim Gilmore, Australie, handicap 6. Et Ellerton qui attaque en direction du terrain normandie. Sur l'équipe des Blackbirds, l'attaque en direction de la touche est gauche pour l'équipe de Ellerton. Et un score de 1-0. Ellerton qui attaque maintenant en Blackbird en direction du terrain nordique avec une balle tout de suite par son numéro 2, Mike Todd. Mike Todd toujours en direction des goals, Mike Todd.
J'ai vu la main, j'ai essayé de faire une photo, de fois, il était vraiment, oh, il était super handicapé. Hein. Non, ben, la lumière a changé là d'ailleurs. Maintenant il vaut mieux, oh, il pouvait pas, je crois qu'il a fait pour finir, il a fait trois périodes. Back to Grosvenor Lieutenant AR, repeat from Paul Wider. Back to Grosvenor Lieutenant AR, repeat from Paul Wider. Back to Grosvenor Lieutenant AR, repeat from Paul Wider. Back to Grosvenor Lieutenant AR, repeat from Paul Wider. Back to Grosvenor Lieutenant AR, repeat from Paul Wider. Back to Grosvenor Lieutenant AR, repeat from Paul Wider. Back to Grosvenor Lieutenant AR, repeat from Paul Wider. Back to Grosvenor Lieutenant AR, repeat from Paul Wider. Back to Grosvenor Lieutenant AR, repeat from Paul Wider. Back to Grosvenor Lieutenant AR, repeat from Paul Wider. Back to Grosvenor Lieutenant AR, repeat from Paul Wider. Back to Grosvenor Lieutenant AR, repeat from Paul Wider. Back to Grosvenor Lieutenant AR, repeat from Paul Wider. Back to Grosvenor Lieutenant AR, repeat from Paul Wider. Back to Grosv
Gonzalo Tanira qui reprend deux volets, qui tape à suivre en direction des gauches, toujours pour l'équipe d'Everton. Gonzalo Tanira, Poussette et goal pour Everton, 8 à 4 sur cette quatrième période. Back de Brighton. Sur le Gonzalo Tanira. Très rapidement pour l'équipe de Blackburn avec Memo Gracida qui manque cette balle. Louis Llorente qui peut tourner rapidement et relancer maintenant pour l'équipe de Everton. Louis Llorente avec devant lui Paul Widders, back de Paul Widders, long back de Paul Widders, on dirait que les planches d'interception. Deux volets de Jim Gilmore, Jim Gilmore suivi par Woodchart Setback. Woodchart Setback qui manque son contrôle de balle en tapant cette balle sous l'encolure, en back de Gonzalo Pereira vers Jackie qui manque sa balle, back de Paul Widders qui manque aussi. Ce qui permet maintenant à Louis Llorente de pouvoir prendre la balle qui va dans des petits ponts. Louis Llorente en direction de gauche, maintenant pour l'équipe de Everton. Et Paul Willers en position défenseur qui peut taper. Jack Hill qui tape la balle, qui remet vers Gonzalo Tanira. Tanira en direction de gauche, ça passe devant les goals et ça relance maintenant par Paul Willers pour l'équipe des Blackburn. Willers, la balle reste sur le terrain. Paul Willers. Alors que Jim Gilmore fait le grand saut. Tour Schwarzenbach. Schwarzenbach, Mike Todd, Gilmore, pour l'instant c'est Mike Todd. Avec Memo Gracida. Jackie. Memo Gracida avec la balle. Memo Gracida. Avec devant lui. Memo Gracida. Il y a un petit peu de temps, on va faire des couloirs.